Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans ce pays que ce pouvoir a fait, et ils ne voient pas. Tout ce que tu dis, c'est faux chez eux. Tout ce que tu dis, c'est faux chez eux. Mais c'est grave. Non. Si moi, je voulais courir derrière là, là, il a dit, on m'a appelé à Abidjan, viens faire campagne. Il a dit, il ne fait pas. Et ils savent. Si ils disent c'est faux là, ils n'ont qu'à parler. Moi, je parle toujours les preuves. Moi, je montre les preuves ici. Hey, ils m'ont dit, viens faire campagne. Il a dit, je ne vais pas. Voilà. Moi, je ne sais pas me mettre dans le faux. Vous êtes dans le faux. Voilà. Aujourd'hui, là, quand on regarde même sur les réseaux, sur 100, 600, 600 par exemple, 600 publications, il y a 90%, 90 publications qui sont contre Alassane Ouattara. Les 10 là, qui restent là, c'est les moutons là, les beurs, 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 beurs là. C'est eux qui suivent. C'est eux qui sont dedans. Mais on ne peut pas être dans le fond pour avancer. Même les millions ils vont te donner là. C'est toi, mais quand tu viens t'asseoir et puis tu mens aux Ivoiriens, est-ce que c'est bon? Parce qu'on te donne l'argent. Tu viens t'asseoir, tu mens aux Ivoiriens parce qu'on te donne l'argent. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est pour ça que j'ai arrêté de suivre ces moutons là. Ils sont des moutons. Des bœufs. Oui. Et j'assume. Non, sérieux. Il faut qu'on se dise la vérité, les gars. C'est pas un jeu. Des vrais moutons. Des vrais moutons. Ils sont dans le faux. Mais eux, ils ne voient pas ça. Et ils rêvent à 2020. 2020, on verra. 2020, on sait maintenant qui pèse. Mais je vous dis, les militants RDR, ne voyez pas un sac de coton. C'est-à-dire, sac de coton là, c'est gros. Sac de coton là, c'est gros comme ça. Sac de coton là, c'est gros. Mais est-ce que le coton là, ça pèse? Ne voyez pas un sac de coton. Et puis un petit sac de ciment. Parce que sac de coton là, c'est gros qu'un sac de ciment, non? Mais entre les deux là, qui pèse? C'est ça que là qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Oh, tu là, ne soyez pas étonné qu'Alassane Ouattara utilise la force. Nous tous là, on a fait le pouvoir, on sait ce qui se passe. Quand tu es au pouvoir là, tout ce que tu dis, c'est ce que les gens font. Quand tu es au pouvoir là, il y a des moutons qui te suivent. Parce que tu es au pouvoir. Parce qu'ils peuvent manger un peu. Donc aujourd'hui là, ne soyez pas étonné. Ne soyez pas étonné si Alassane Ouattara, il fait certaines choses et puis il a la tête parce qu'il est au pouvoir. C'est comme ça. Les moutons qui le suivent là, c'est à vous que je parle. Mais le jour où il va quitter le pouvoir là, lui là, il sera plus que Samara Toklo. Vous avez connu Samara Toklo? Toklo, Toklo, ceux qui viennent souder ta chaussure pour te dépanner là, quand c'est chaud là. Il sera plus que ça. Il va tomber comme ça. Comme chauve-souris. Bon. Il va tomber. Quelqu'un même, les gens ne connaissaient pas, le connaissaient pas. En 2010, il a promis du rêve aux Ivoiriens. Il a promis du rêve aux Ivoiriens. Et tout ce rêve-là, qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Même si tu ne pouvais pas augmenter, il fallait laisser au stade où les Ivoiriens étaient. Au stade de Gbagbo là. C'est-à-dire, tu n'as pas augmenté, mais tu étais resté à une position. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Zéro. Actuellement là, quand tu demandes à un militant RDR, qu'est-ce qu'il a dû réaliser? Et il te parle du futur, il te parle de 2022-2023. Que le projet qu'on est en train de faire là, c'est pour 2023, d'ici 2023. En fait, c'est pour mettre les gens dans le film. Là, tu as le voter. Là, 2023, il va terminer son projet. Mais en 2010, vous avez dit ça. Donne-moi 5 ans, il est complété. Parce qu'en 5 ans, après une crise, nous tous on a compris. Après une crise, c'est difficile en 5 ans d'arranger le pays. Vous comprenez? Mais après 5 ans encore, rien. Il est venu juste compléter ou bien juste terminer ce que les autres avaient commencé. Il est venu juste terminer ce que les autres avaient commencé. Lui-même, il a fait quoi?
il a fait quoi? Il a fait quoi aujourd'hui qui donne son nom? On dit, ah, c'est Alassane Ouattara qui a construit ça. Mais aujourd'hui, quand il passe à Abidjan, on dit, c'est Alassane Ouattara qui a cassé ça. Quand il passe à Yopougo, on dit, c'est Alassane Ouattara qui a cassé ça. Quand il passe à Bobo, c'est Alassane Ouattara qui a cassé ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire, c'est Alassane Ouattara qui a construit ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, c'est Alassane Ouattara qui a mis ça. Son nom qu'il a dans le pays là. Son nom qu'il a dans le pays là. C'est Alassane Ouattara qui a cassé ça. Ah, ils ont cassé ici là. Oui, c'est Ado qui a cassé. Ah, ils ont. Mais ici là, c'est comment? Mais ici là, il y avait un truc, non? Ah, Ado a tout cassé. Ah. Lui casse, il ne construit pas. Les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens sont fatigués. Laissez la place à d'autres personnes de venir nous montrer ce qu'ils peuvent faire. C'est tout. Moi-même, là, j'ai soutenu Ado 10 ans. Tu n'as rien respecté dans tout ce que tu as dit. Tu n'as rien respecté dans tout ce que tu as dit. Mais laisse la place à